Avril, maths, GC, donc on va faire les devoirs. Donc, pour premier exercice, on vous dit nomme le solide qui a été utilisé pour réaliser cette construction. C'est tous les mêmes solides. Combien y en a-t-il en tout? Ensuite, c'est un petit peu le même exercice qu'on avait déjà fait. Quels solides ont été utilisés pour construire le château de Zinédine? Donne le nombre de chacun de ces solides. Donc, vous regardez chaque solide et vous me donnez le nombre de chacun des solides. Ensuite, il faut compléter le tableau pour chacun des solides. Pareil, on l'a déjà fait un petit peu pareil. Donc, pour chaque solide, on me donne le nombre de faces, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes pour chacun des solides qu'il y a ici. Ensuite, reproduis le padron correspondant au cube ci-dessous. Donc, vous pouvez les refaire, tout simplement, en prenant le côté du cube de 2 cm. Hein. Ici, à chaque fois, vous faites 2 cm partout. Et vous coloriez bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, rouge, bleu, vert. Donc, il faut reproduire le patron. Lequel correspond à celui-là? Donc, quand vous allez plier, il n'y en a qu'un seul qui va vous donner ça. Donc, vous gardez que celui qui vous a donné ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à trouver celui qui va donner ça, après, il faut colorier en bleu de l'autre côté, en rouge de l'autre côté et en vert de l'autre côté. Colorie le patron de façon à avoir les faces opposées de même couleur. Donc, les cases blanches, là, elles doivent être coloriées de la couleur pour que ça fonctionne, que le bleu se retrouve de l'autre côté, que le rouge se retrouve de l'autre côté, que le vert se retrouve derrière. Voilà. Donc pour la première, on avait des cubes et j'en ai compté 64. Ensuite, on avait une pyramide à base carrée, 4 cônes, 8 cubes et 14 pavés dans cette... voilà, donc une pyramide à base carrée, elle est ici. 4 cônes, 1, 2, 3 et 4. 8 cubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 pavés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc voilà pour le comptage. Ensuite, ici, donc le nombre de faces du premier, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et celle du dessous, 6. Pour le deuxième, le nombre de faces, il y en a 1, 2 de l'autre côté. 3 en dessous, 4, 5, 6, 7 et 8 derrière. Pour celle-ci, donc 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui-là, on l'avait déjà vu. Le nombre de sommets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour cette figure-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, voilà, pour les sommets. Ensuite, pour celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 sommets aussi. Pour le nombre d'arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de l'autre côté aussi, hein, ça fait 12. 13, 14, 15, 16, 17 et 18 en bas qui relient. Pour celui-ci, donc 6 en haut, 6 en bas, ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, la dernière qui relie ici. Pour le cube, donc je les ai faits, je les ai fabriqués. Donc celle qui fonctionne, c'est celle-ci. BVR. Qui sont collés dans ce sens-là, les autres ça fonctionne pas. Du coup, je l'ai refabriqué. Et pour que ça soit en face, il faut mettre un rouge ici. Pour que ça soit en face, il faut mettre un bleu ici et un vert ici. Et donc, vous devez avoir ça, mais avec un carré de 2 cm chacun, ce qui n'est pas le cas sur le mien. Voilà pour les exercices en devoir.